Salut à tous, Eric Le Gaulle chez Galago Music. Bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant le morceau Nothing Else Matters de Metallica. Alors dans ce second tuto, nous allons aborder le couplet, le refrain et l'interlude. Alors oui, je sais, ça fait du boulot, donc je vais pas m'attarder trop sur le prologue. Je me permets néanmoins de vous inviter à cliquer ici pour découvrir la Galago chronique correspondant à ce titre. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ces chroniques, il s'agit de petits clips comme ça qui racontent un petit peu à ma façon l'histoire du morceau, les membres du groupe, comment le morceau a été écrit, les anecdotes, machin machin. Voilà, je perds pas plus de temps parce qu'il y a du boulot. C'est parti. Alors, on attaque donc ce couplet. Le couplet, c'est quand l'intro vient de se terminer, que la batterie rentre et que le chant rentre aussi. Il y a donc 9 mesures dans ce couplet que j'ai appelé partie A. La première mesure va donner ça. On est toujours à 6 suites, c'est-à-dire qu'on a 6 croches par mesure. Voilà, pour ceux que ça intéresse, hein. Et cette première mesure de partie A pour la main droite va donner ça. Donc c'est comme on faisait dans l'intro, hein, l'annulaire, le majeur et l'index sur les cordes de sol, si et mi, d'ailleurs. Et le pouce viendra gratter le gros mi. Et ça va donner ça. Et encore une petite fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et... D'accord ? Très important d'avoir cette rythmique parce qu'elle va revenir tout le long du couplet. Donc on a 4 croches au début. 1, 2, 3, 4, suivi de 4 doubles croches. Donc ces 4 dernières notes vont 2 fois plus vite que les précédentes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et... Voilà. Donc une fois que vous avez ça, c'est fastoche, il vous suffira juste d'appuyer à la troisième case du petit mi ici, et de faire comme ceci. Vous voyez, je fais entendre la troisième case une seule fois. Jusqu'ici, bon, tout va bien. Là, je vais gratter la corde de sol, et dès que cette corde de sol est jouée, le majeur peut partir pour laisser les cordes à vide à la fin. Afin que ça puisse donner 1, 2, 3... 4, 5 et 6 et fin de la première mesure. Ensuite, dans la deuxième mesure, on aura besoin d'un accord de Ré majeur, le petit triangle que vous connaissez. 1, 2, 3, 2, ok. Ré majeur qui deviendra un Ré quarte suspendu. C'est-à-dire qu'il faudra rajouter le petit doigt ici à la troisième case du petit mi. D'accord. Et juste après ça, on aura un accord de Do à 9. On aura juste besoin de 2 doigts. L'annulaire ne bougera pas de sa troisième case de la corde de Si et le majeur viendra à la troisième case de la corde de La. Donc dans cette deuxième mesure de la partie A, on aura besoin d'un Ré majeur, d'un Ré quarte suspendu et d'un Do à 9. Voilà. Alors pour la première moitié de cette deuxième mesure, ça va donner ça. Comment j'ai fait? J'étais donc sur mon Ré majeur, l'attaque. Je vais choper au pouce la corde de Ré, donc le pouce n'est plus sur le gros mi, mais ici. En même temps que le Ré, je chope avec l'annulaire le petit mi. D'accord? Je rejoue le Ré au pouce. Je place après le petit doigt troisième case du petit mi. D'accord? Je reviens en grattant la corde de Si, et après je gratterai la corde de Sol sans l'index. Alors... Encore une petite fois, peut-être. Dès que ça c'est fait, c'est là qu'on placera le Do à 9, à savoir le majeur, troisième case de la corde de La, et l'annulaire, troisième case de la corde de Si. Une fois que vous êtes placé comme ça, la fin de la deuxième mesure donnera ça, donc. Donc quand je viens de me placer sur le Do à 9, je chope le pouce sur la corde de La, et l'annulaire en même temps sur le petit mi. D'accord, dès que ça c'est gratté, on grattera la corde de Si. La corde de Sol, qui est donc à vide, suivi de 3, 2, 1. Et là, on a fini la deuxième mesure. C'est pas facile à expliquer, je vous le dis, j'espère que vous arrivez à suivre, hein, autrement, on navré. Alors, deuxième mesure, pas vite en entier. Bim. Et là, on a tiré sur la troisième mesure. Alors, les deux premières mesures d'affilée. Troisième mesure. Et ce qui est trop bien, c'est que la troisième mesure, c'est comme la première, donc je vous la réexplique pas. Sur la quatrième mesure, on a toujours notre accord de Ré majeur, comme on avait dans la deuxième mesure, suivi d'un Do à 9, mais il y a une petite nuance, bien entendu, sinon c'est pas marrant. Donc cette quatrième mesure, il y a une école, hein, juste en face, donc des fois j'entends des enfants et même la maîtresse qui gueule fort, c'est incroyable. Bref, quatrième mesure. Alors, comment que j'ai fait mon histoire? On repart sur notre accord de Ré majeur. Comme tout à l'heure, je chope au pouce la corde de Ré et l'annulaire sur le petit mi. On voit que dalle. Oh là là, c'est terrible. Dès que vous avez chopé ça, ça dure une croche. On va rejouer le Ré au pouce, suivi de la corde de Si avec le majeur. Et là, on va gratter la corde de Sol, sur laquelle il y a toujours l'index en deuxième case. Hein, et ça va donner ça. Et là, on fera un pull-off. D'accord ?
dès que vous avez gratté ça, le majeur va venir se placer en troisième case de la corde de La, pour avoir donc le Do à 2-9. Donc la fin de mesure. Quatrième mesure en entier. Et on retrouve encore ce truc-là. Donc mesure 3 et 4 d'affilée. La mesure 5, c'est comme la première et c'est comme la troisième. Pareil, je ne vous l'explique pas. Et heureusement, parce que déjà, je trouve que ça dure un petit peu longtemps. Dans la mesure 6, on retrouve également l'accord de Ré suivi de l'accord de Do à 9. Mais la main droite change encore pour pouvoir donner un truc comme ça. Donc la première moitié de cette sixième mesure est exactement pareille que la première moitié de la deuxième mesure. Si vous vous souvenez, ça faisait ça. Le coup du petit doigt en troisième case du petit Mi, là. De sol à vide, et après ça, du coup là je vais conserver l'annulaire et le petit doigt en troisième case et troisième case du Si et du Mi, et je vais rajouter, hop, le majeur en troisième case de la corde du La pour avoir mon Do à 9 à nouveau, mais sous une forme un petit peu différente, et la fin de mesure donne ça. D'accord, c'est trois croches d'affilée, donc c'est pas très rapide. J'ai chopé en même temps le pouce sur la corde de La, l'annulaire sur le petit Mi, après corde de Si et corde de sol à vide. La sixième mesure en entier. Voilà. Mesure 5 et 6. Et on est presque sorti du couplet. Et ouf, la mesure 7, on fait un sol majeur à la main gauche. On fait cette forme-là, 3-3 du Si et du petit Mi. Troisième case du gros Mi, d'accord. Et à la main droite, on va faire trois croches d'affilée qui vont donner... Voilà, ça va, c'est pas trop difficile. Corde de Mi, corde de Sol, et le Si et le petit Mi en même temps. D'accord, dès que vous avez fait ça, vous placez sur un Si septième. Oh, qu'on l'aime pas, celui-là. Normalement, c'est deuxième case de la corde de La. 1, 2, petit Si à vide, et petit Mi deuxième case. Oui, comme sur le schéma, en fait, exactement. Alors, vous pouvez placer tous les doigts si vous êtes habitué à faire le 6-7, machin, mais normalement, on n'a pas besoin de l'index. Donc, si ça peut vous arranger, vous avez juste besoin d'appuyer sur 2 du La, 2 du Sol, 2 du petit Mi. Mais bref, moi, comme ça va vite et machin, et je suis habitué, je préfère placer directement tout le positionnement du 6-7. Et donc, une fois que vous êtes placé là-bas, la main droite, ça va donner ça. Comment j'ai fait? J'ai chopé en même temps le pouce sur la corde de La, j'ai chopé Sol, la corde de Sol, la corde de Si, la corde de Mi d'un coup, ces trois notes-là. Je retape mon pouce et je fais petit Mi, corde de Si, fin de la mesure. Et là, on est sorti des embrouilles. Alors, cette septième mesure en entier, Sol, puis Si septième. Dès que ça c'est fait, la huitième mesure est plutôt soft puisqu'elle va donner ça. Ça ressemble à ce qu'on a déjà eu, hein. Si ce n'est qu'au lieu d'avoir que le Mi à vide sur la première croche, on chope le Mi à vide et le petit Mi en même temps. Suivi de corde de Sol, corde de Si, corde de petit Mi, on revient sur Si, on revient sur Sol. Voilà, mesure 7 et 8 d'affilée. Mesure 9, et la mesure 9 pour terminer cette partie. Suivi de, qui revient tout le temps pour relancer le couplet. Donc les mesures 7, 8, 9, on a terminé avec le couplet, soit la partie A, position de Sol. Mesure 9. Et on referait tout le couplet une deuxième fois. Alors pour vous refaire toute la partie à une petite fois, je change d'angle, hein, peut-être que vous y verrez un peu mieux. C'est parti! Thank you.
pour la structure, hein, une fois que vous avez fait l'intro, vous aurez deux fois la partie A d'affilée. Ce que je viens de vous montrer, vous le faites deux fois de suite. Une fois que vous l'avez fait deux fois, on atterrira sur la partie A', c'est-à-dire que ça commence pareil du début, il y a juste la fin qui change pour préparer l'arrivée du refrain. Donc la partie A', c'est comme la partie A, sauf la fin, donc je vous fais depuis le Sol, puis le 6-7, ok? Donc le départ, c'est exactement pareil. Donc là, c'est la même chose aussi. Jusque-là, tout va bien, et par contre, là, ça change. Un coup de Do, 2, 3. Un coup de La majeur, 2, 3. C'est ça qui fait la formule prime du A. Donc le A prime à la vraie vitesse, hein, comme ça plus vite. Moi, la majeure, des fois, je le fais comme ça, avec majeur, annulaire, petit doigt. Enfin, très souvent, avec un petit pâté de doigt. Mais bon, peu importe, ce qui compte, c'est d'appuyer sur 2, 2, 2. Comme sur les petits schémas, hein, des cordes de Ré, Sol et Si. Voilà. Et nous voici rendus sur le refrain, partie B. Alors là, ça va aller beaucoup plus vite expliquer. Et c'est pour ça que ça me rend heureux. Parce que franchement, j'ai eu l'impression de galérer. J'espère que c'est peut-être votre cas. Enfin, non, je l'espère pas. Mais si c'est le cas, dommage. Autant pour moi. Bref, refrain, je vous le fais une fois. Et on répète ça plusieurs fois. Comment je fais un accord de Ré majeur qui va devenir Ré quarte suspendu comme on avait tout à l'heure, c'est quand on rajoute le petit doigt donc sur la troisième case du petit mi. D'accord ? Après, il redeviendra Ré, puis Ré seconde suspendu. C'est-à-dire que le majeur s'en va et le petit mi sonne à vide. Donc on aura dans cette première mesure de refrain de la partie B, donc Ré majeur, machin, Ré quarte suspendu, Ré majeur, Ré seconde suspendu. Et Ré majeur sur la fin. D'accord ? Pour la main droite, pas. O, pa, o, pa, o, o, o. Encore une petite fois. Ba. Après mon premier ba, je descends sans gratter. C'est pour ça que je fais un petit son, histoire de symboliser cette descente non entendue. Ba. O, ba, o, ba, o, o, o. Une petite fois encore. Ba. O, ba, o, ba, o, o, o. Avec les accords à la main gauche. Ba. Donc là, il faut bien tendre l'oreille pour choper les notes de la mélodie qui se dessinent grâce justement au coup du Ré, Ré petit doigt, Ré seconde suspendue, tout ça. Ré, O, Ba, O, Ré quarte suspendue. Après toutes les remontées, ça va être Ré majeur, Ré seconde suspendue, Re, Ré majeur. Ba, O, Ba, Ba, O, 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 Ba, Ba, O. Au niveau des grades grades, je vous ai pas dit, mais vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, perso, ma technique, c'est de descendre avec l'index, découvrir le bas, et de remonter avec le pouce. Ba, o, ba, o, ba, o, o, o. Et dès que vous avez fait ça, vous êtes sorti d'affaire, parce qu'on va rejouer le Do majeur pendant trois croches d'affilée. 1, 2, 3, et Re la majeure pendant trois croches d'affilée également. Donc les deux premières mesures du refrain. Et on refait ça une deuxième fois. 2, 3, 2, 3. Donc une fois qu'on a fait ces deux mesures deux fois d'affilée, on va atterrir sur le B prime. Donc ça va ressembler très fort au B, mais évidemment la fin change un petit peu, sinon c'est pas marrant. Donc la partie du B prime qui termine le couplet donne ça. 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est bim, on revient après sur les couplets. Donc dans ce B', au lieu d'avoir une mesure avec 6 croches dedans, on n'en a que 3. C'est une mesure qui est plus courte que les autres, ça peut arriver. Ça surprend et tout, mais bon, ça fait un effet sympa. Je vous fais tout le refrain hein, d'affilée. Donc B, B, B', et ça vous forme cette partie-là. Donc, alors je gratte là pour que vous voyez mieux peut-être. Ba, O, Ba, O, Ba, O. Deuxième B. Pareil. 2, 3, 4, 5. 6B prime. Ba, Do, Ba. Et je redémarre comme au début. Deux mesures d'affilée, de l'arpège comme ça, qui servaient également dans l'intro.
Donc au niveau de la structure, pour l'instant, quand on est sorti de l'intro-intro, on a eu deux A d'affilée plus un A'. Après, on a eu deux B et un B'. Ok ? Donc dès que ça c'est fait, on retrouvera un A, mais un seul, parce qu'après, tout de suite, on a le A'. Après, on retrouvera deux B d'affilée, puis un B'. Et nous voici rendus sur l'interlude, ou sur le pont, on l'appelle un petit peu comme on veut. C'est toute la partie instrumentale qui est trop belle. Alors moi, perso, j'ai une petite version qui n'est pas exactement comme dans le morceau, mais comme souvent, je joue tout seul ce truc-là. J'aime bien le faire sonner, et je vous le joue déjà une fois. Interlude et fin de ce tuto, c'est pas facile hein. Alors pour les deux premières mesures de l'interlude, on se place comme ça, index en 12e case et 12e case du si et du petit mi, d'accord. À la main droite, on reste sur nos placements qu'on avait tout à l'heure, à savoir ces trois doigts là sur les trois cordes aiguës, d'accord. Donc dans ma version, moi je rajoute une basse qui n'est pas dans le morceau original, mais je trouve ça joli, surtout quand on le joue en mode solo. Donc j'ai chopé le gros mi et l'annulaire en même temps, suivi de la corde de si, et je retape mon mi. 1, 2, 3, d'accord. Une fois que j'ai fait ça, je mets l'annulaire en 14e case du petit mi, je fais pareil. 1, 2, 3, d'accord. Donc toute la première mesure de cet interlude, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dès que ça c'est fait, je vais mettre le petit doigt en 15e case du petit mi. Même chose, 1, 2, 3. 3. Puis, petit doigt super loin en 17e case, ça fait des écarts d'enfer. Et même grattage main droite, 4, 5, 6. Première mesure de ce pont, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cool. Donc pour la troisième et quatrième mesure de cet interlude, vous placez l'index sur les trois dernières cordes aiguës, en 5, 5, 5, à cet endroit-là, et le petit doigt en 8e case du petit mi, pareil, pour avoir une extension très jolie, très esthétique, hein, ça fait souvent sa petite impression quand on joue devant les gens. Et à la main droite, on va faire ça, le pouce se décale, n'est plus sur le gros mi, mais sur la corde de là, et ça donne ça. 2, 3, 4, 5, 6, c'était la troisième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la quatrième mesure, je retape le là tout seul. 6. Voilà. Troisième et quatrième mesure d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les quatre premières mesures du truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes! Donc dès que vous avez terminé ce positionnement en 5e case, là, paf, on va se placer sur un Do majeur très standard, hein, et on va faire ça. Pareil, c'est pas très difficile, hein, j'ai chopé au pouce la corde de La, j'ai chopé en même temps le petit Mi sur la première croche de la mesure, la 5e mesure, après corde de Si, corde de Sol, re corde de La, re petit Mi, re corde de Si. Dès que ça c'est fait, on se placera sur un Ré seconde suspendu, c'est-à-dire Ré majeur, c'est les trois dents en même temps. Bah là, hein, c'est comme tout à l'heure, le petit Mi est à vide, un accord qui va sonner comme ça, qui est très joli. Et donc, avec l'arpège... Ok, c'est exactement le même principe que ce qu'on avait dans la mesure d'avant en Do, sauf que le pouce a bougé, n'est plus sur la corde de La, mais sur la corde de Ré. Donc, sur la première croche, j'ai chopé le Ré et le petit Mi, suite corde de Si, corde de Sol. Re la corde de Ré, re petit Mi, re la corde de Si. La mesure 5 et 6, le Do majeur et le Ré seconde suspendu d'affilée. Et on arrive à la fin de cet interlude, trop bien. Je vous le fais une fois. Comment j'ai fait? Donc je chope le gros Mi et le petit Mi en même temps. Dès que ça c'est fait, le majeur va venir faire un hammer-on en 7e case du petit Mi. Pas facile, mais très efficace. Dès que vous aurez réussi à faire sonner ce truc-là,
faudra gratter la corde de Si, la corde de Sol. La deuxième moitié de cette mesure-là, c'est de regratter le gros Mi et le petit Mi, avec le majeur qui est toujours enfoncé en septième case, et Scula Pull-Off. Puis, à nouveau, corde de Si, corde de Sol. Et on terminera par... 3, 4, 5, 6. Et on reprendrait l'interlude en entier. Je vous le fais d'ailleurs en entier, cet interlude, pas vite. 4, 5, 6. Fin de l'interlude, et après on repartira sur les couplets. Et ça veut dire que, ouf, j'ai terminé ce tuto. Enfin presque, il manquera plus que le solo. Donc là je suis toujours à La Réunion, hein, c'est pas moi, mais je n'ai pas de guitare électrique. Donc dès que je chopperai quelqu'un qui pourra m'en prêter une, ou chez qui je pourrais squatter, histoire de pouvoir vous enregistrer ça, ben je le ferai bien volontiers. En même temps, je pense que vous avez déjà bien à faire avec tout ça, même si c'est pas ultra dur. C'est toujours les petites nuances, les trucs qui changent dans les répétitions qui sont les plus difficiles à retenir. Bon ben voilà, ce cours est fini, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il était digeste. Pas sûr. Allez, maintenant je vais m'atteler au montage, ça va pas être une mince affaire. Je vous dis à très bientôt, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain tuto, et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite. Ciao.